Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue. Nous recevons aujourd'hui dans Backstage deux amoureux de la culture locale et ils viennent nous parler de leur dernier album, Baltrade en Poitou. Mathieu Touzeau et Alexis Hervé sont nos invités. Salut les gars. Bonjour. Comment s'est passée la route? Parce que vous, vous venez de plus loin que certains artistes, vous n'êtes pas vendéen. Non, on est pour Alexis, des environs de Celles-sur-Belle. Ouais. Et moi, j'habite entre Niort et Poitiers, à Saint-Sauvent, exactement. Alexis, c'est toi qui as conduit aujourd'hui ou... Oui, c'est moi qui ai conduit. Bon, avec l'autoroute, ça se fait bien. Ça va vite. Ça va vite. 1h30, 1h40 de route à peu près. Oui, 1h30, c'est ça. Bon. Nous allons parler évidemment de votre album en commun, mais avant cela, j'aimerais qu'Alexis, tu te présentes. Tu es donc accordéoniste. C'est exact. Tu as à peu près 400 titres créés. Oui. Parle-nous de toi un peu. Alors, je suis né en Charente-Maritime. Ouais. Je suis charentais maritime et fier de l'être. J'ai commencé la musique à l'âge de 5 ans. 5 ans, l'accordéon. Septembre 1992, l'accordéon. Wow. Après, études musicales chez des professeurs particuliers. Bac littéraire, option art, musique à Niort. Ouais. Premier orchestre en 2004, orchestre de danse, danse de salon, ouais, pour l'été dansant du dimanche après-midi. Ouais. Puis bah, voilà, 400 titres aujourd'hui ouais, composés. Énorme. Je ne les ai pas fait tout seul, j'ai aussi des collaborateurs, des compositeurs, des auteurs, des amis, beaucoup avec lesquels j'adore travailler. Mmh. Et puis voilà, là j'ai actuellement mon orchestre qui est un petit peu en sommeil compte tenu des actualités. Mmh. Mais voilà, je travaille aussi parallèlement dans un autre projet qui s'appelle 13h du mat, sur ouais, de la musique festive. Oui, parce que tu fais beaucoup de styles musicaux, du ska en passant oui, par le classique. Exactement. C'est assez bluffant la palette que tu as. Bah, c'est par goût déjà, ouais, et puis par passion. Ouais. Voilà. Le métier, c'est le métier, oui, mais ça reste après secondaire. Mathieu Touzeau, donc tu es à la fois un instrumentiste, professeur de musique aussi? Oui, j'ai un parcours donc d'enseignant, effectivement. Après, je suis davantage troubadour dans mon profil de concertiste. Ouais. Je compose dans trois styles musicaux. Donc la guitare classique, ouais, et la chanson en langue française et en langue poitevine. Eh oui, langue poitevine, tu es un fervent pratiquant de cette langue régionale et c'est ce qui vous a amené à travailler ensemble. Comment tu as connu Alexis, Mathieu? En fait, on a travaillé ensemble dans une école de musique à Mel. Ouais. Voilà, et puis donc on a gardé le contact et puis donc on a pu se recontacter après. Et comment deux professionnels comme vous, à un moment donné, partent sur ce projet de faire un album qui s'appelle donc Baltrade en Poitou? Comment c'est venu cette idée? Alors en fait, on est tous les deux sensibles au patrimoine musical local. Ouais. Voilà, Alexis à l'accordéon et moi en tant que guitariste et chanteur. Et je pense que ça a été naturel de se rencontrer donc pour ce projet. Et toi, Alexis, tu étais intéressé par ce projet de faire quelque chose en traditionnel, en local, comme ça, le côté local, c'est quelque chose qui t'attirait? Bien sûr, parce que moi, étant adolescent, je faisais partie d'un groupe folklorique. D'accord. À Niort, où on jouait toutes ces danses-là. Donc ça s'est presque fait automatiquement, finalement. Mmh. Personnellement, je n'aurais pas imaginé travailler avec quelqu'un d'autre que Mathieu pour mmh, un tel projet. Tu peux nous parler des différents types de danses qui existent et d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans les albums, puisqu'il y a deux albums, volume 1 oui, et volume 2. Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de danses différentes. Là, le Poitou est une région très riche dans ses créations de danses traditionnelles depuis ouais, très longtemps. Et donc effectivement, il y a des danses et des chorégraphies très différentes, voilà, des quadrilles, des avant-deux, mazurka, polka, des danses qui se dansent dans les baltrades en fait. Ouais. Voilà, et après, donc c'est vrai que c'est une grande diversité, le Poitou, et c'est la caractéristique en fait des danses dans la région, des danses mmh, traditionnelles, c'est leur diversité.
Et la Vendée faisait partie du Bas-Poitou, si je ne m'abuse, ah oui, et avec notamment des danses que vous faites, la bourrée vendéenne, vous faites aussi, on retrouve tout cela dans l'album. Oui, alors il y a des danses qui sont des réappropriations, ouais, de danses. La bourrée vient plutôt d'Auvergne. Et en fait, c'est des réappropriations, ah oui, ah, je de me trompais, oui, c'est effectivement de, ouais, de ces danses-là, ouais, par des musiciens et des danseurs de la région. Et parfois, la chorégraphie peut évoluer. Et donc, Alexis, toi, t'es parti les yeux fermés. Tu t'es dit, allez, le local, ça me plaît bien. On a bien entendu que quand t'étais petit, tu faisais déjà partie d'un orchestre local. Ça t'a pas fait peur, un projet comme celui-ci? Pas du tout. J'étais, non, très heureux de sauvegarder, ouais, ce patrimoine aussi. Donc on a réécrit des partitions, Mathieu a fait des arrangements pour la guitare. Voilà, histoire qu'on ait vraiment des traces écrites. Voilà, d'ailleurs les partitions sont disponibles, hein, sur Internet, on les a mis à disposition. Et ça a permis donc vraiment de faire une sauvegarde de ce patrimoine qui était presque en perdition. Si on prend par exemple le quadrille de la Bachellerie qui se dansait vraiment sur le Mélois, presque plus personne n'avait de traces. Oui. De ce quadrille qui est quand même assez riche musicalement. Il y a un côté historique, un côté patrimoine aussi dans votre travail, c'est assez important pour vous, Mathieu ? Ah oui, tout à fait, le patrimoine local, c'est quelque chose de… Oui, c'est l'identité locale, oui, de la culture locale, donc forcément c'est… moi dans mon parcours, effectivement, en tant que guitariste et chansonnier en langue française également. Ah oui. En fait, ça a été comment dire, une nécessité en fait de pratiquer des musiques dans des styles pour avoir une pratique assez complète en fait finalement de la musique. Et Alexis, tes potes avec lesquels tu joues du ska, par exemple, quand tu leur as expliqué ce projet, comment ils l'ont perçu ? Ben, ce sont des artistes, ouais, donc ils ont adhéré à l'idée. Il y a même la trompettiste du groupe de ska qui a fait une petite intervention sur le volume 2. Super. Donc oui, puis on partage, on parle vraiment d'art, c'est d'art, ça, de musique. Donc on est tous ouverts, c'est aussi pour ça que ce sont des amis que j'aime bien. Ouais. J'aime travailler avec eux, parce que moi je suis plutôt rock avant que ska. Donc c'était vraiment un partage de connaissances, de musique et de culture. Parle-nous de tes projets actuels de manière individuelle. Alors malheureusement, l'orchestre de danse est en sommeil, ouais, puisque notre public est dit fragile. Ouais. Donc pas de danse, ouais, pas de tes danses en musette. Ouais. 13h du mat fonctionne, oui, tourne. C'est ça, le reggae ska. On a même fait, courant septembre, un concert à l'Épine sur l'île de Noirmoutier. Et on est sur l'écriture avec 13h du mat d'un conte pour enfants. Génial, hein. Voilà. Donc ça un conte beaucoup. Entrecoupé de chansons enfantines. Donc c'était une idée qui vient d'abord de mon producteur, mais qui après a fait son petit bonhomme de chemin. Et 13h du mat, au complet, c'est investi dans ce projet. Mathieu, nous sommes dans l'émission Backstage, les coulisses. Comment tu es avant de passer sur scène, toi? Comment tu te sens? Est-ce que tu as des rituels? Oh non, non. Non, en général, je suis assez détendu. Ouais. Voilà, bon, il n'y a pas de problème. C'est à force de faire des concerts. Ah, bien sûr, l'expérience. Ah oui. Qu'est-ce que vous allez donc nous montrer là pour ce numéro que vous allez proposer aux spectatrices et spectateurs de TV Vendée juste après. J'ai pas compris. Juste après, qu'est-ce que vous allez nous montrer comme numéro? Ah oui, là, plus, ouais, plus, ouais, vaut mieux. Alors, ben, je vais me permettre de répondre. Ah, oui, nous allons interpréter. Juste après, vous allez. Nous allons interpréter deux morceaux. Ouais. Que nous allons enchaîner. Nous allons interpréter une polka, c'est la polka des coucous, qui n'a rien à voir avec les coucous, l'oiseau. C'est parce que dans la danse, les gens se font coucou. Voilà, ils se retournent et ouais, puis ils se font coucou. Ouais. Et après, un extrait du quadrille vendéen, qui lui est en cinq figures, nous allons interpréter une des figures. Le quadrille et non pas la bourrée, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Bah écoutez, c'est à vous, messieurs, de vous produire sur le plateau de TV Vendée. Thank you.
Merci Mathieu Touzeau, merci Alexis Hervé. J'étais à Poitiers, moi. J'ai été aussi à New York. C'était un vrai moment de plaisir de vous entendre ici en direct du plateau de TV Vendée. Nous retrouvons votre album sur les sites internet qui vont s'afficher. Vous pouvez d'ailleurs l'acheter. Baltrade en Poitou, c'est le titre, volume 1 et volume 2. Les programmes de TV Vendée continuent et en attendant de nous retrouver pour un nouvel épisode de Backstage, surtout prenez soin de vous et des autres. À bientôt.